Bon, style dragon. Alors, pour dragon, il a fallu, pour dragon, si j'avais eu des instruments virtuels type cornemuse ou en tout cas des instruments celtiques comme ça, j'en aurais mis, mais j'en avais pas. Mais malgré ça, ça va, je pense que j'ai réussi à faire un truc qui pouvait sonner un petit peu dragon. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu faire? Déjà, quelque chose de très mélodique. Du coup, j'ai aussi créé deux thèmes musicaux, deux thèmes mélodiques, utilisés plusieurs fois dans le morceau. Quelque chose de très dynamique dans l'accompagnement, bien sûr, et puis aussi quelque chose de plutôt majeur. D'ailleurs, ça a gêné certaines personnes qui me disaient que c'est trop joyeux pour ce truc-là. Alors que dans Dragon, l'idée, quand même, c'est plutôt l'espoir, plutôt des sentiments un peu plus positifs. Donc, je me suis encore une fois efforcé d'essayer d'imiter au mieux ce qu'aurait pu faire John Powell dans Dragon, plutôt que d'essayer de coller au mieux à la scène Avengers. Encore une fois, c'était pas le but. Voilà. Et ce qui fait la marque un petit peu aussi de Powell, surtout dans Dragon, c'est... En plus des instruments celtiques, les mélodies sonnent celtiques. Alors parfois avec des gammes pentatoniques, je crois que j'ai utilisé un peu... j'ai fait des mélodies qui sont pentatoniques. Et puis voilà, ça sonne celtique par exemple. Donc je vais vous faire entendre sur la version finale. Mais on voit bien que j'ai essayé d'avoir un accompagnement assez riche, quoi. Il y a plusieurs mélodies qui sont les unes sur les autres, quoi. Je sais pas si on entend mieux peut-être avec les sons de mélodie assistante, même si c'est des vieux sons nuls. Une partie dont je suis très fier, c'est celle-ci. Alors là, on a un premier thème. Il y a des cymbales et tout ça, c'est éclatant. Il joue tout seul. C'est éclatant, ça, c'est percussif, ça donne de l'entrain pour l'avant-bataille. Et après, ça débouche sur le passage qui m'a demandé le plus de boulot. Je vous jure, j'ai recommencé, j'ai fait des brouillons et tout pour que ça sonne. C'est une longue montée un petit peu chromatique. Et je trouve que ça rend bien l'idée de charge, en fait. Mais bon, comme on le voit sur la partition, enfin, je sais pas si on se rend compte, mais c'est... Enfin, moi, je trouve ça hyper galère à composer, parce que, voilà, on a une montée ici de double croche aux cordes, pendant que là, on a des mélodies au violon, pendant que, quoi, les trombones, ils soulignent les accords, en les jouant marcato, les cors aussi. Bon, on a des doublures, évidemment. C'est dense, c'est riche en fait, et c'est ça que j'ai essayé de reproduire parce que c'est ça que j'aime dans le style de John Powell par exemple, ou même John Williams. Et je suis content d'avoir réussi un truc qui se tient à l'oreille, ça se tient, et l'ambiance voulue ressort bien. Enfin bref, on a des contre-chants, des réponses, on a des accords très modaux, vous le voyez, on a beaucoup de dièses et de bécard, enfin, ça veut dire que là, c'est des notes qui n'appartiennent pas à notre tonalité, et ça nous donne des couleurs particulières. C'est tout ça, la musique de Dragon, quoi. Et après, on débouche sur le thème principal, pendant la bataille, quoi. Qu'est-ce qu'on a à entendre? Le thème, donc joué là, voilà, par plusieurs cordes, les bois aussi jouent ça, voilà, les bois, très aigus. On a un contre-champ avec les instruments plus graves qui vont remplir, en fait, regardez, là on a une longue note, puis ici, du coup, ça serait un peu vide si on n'avait pas un contre-champ derrière. Donc hop, on remplit avec une autre voix, une autre mélodie par-dessous. On a également les fameuses trompettes, mais alors ça, quand j'ai écrit ça, je fais « Ouais, là, ça fait dragon, quoi !» C'est le gros staccato, staccatissimo même, de trompettes qui soulignent les accords et qui apportent ce dynamisme typique. Écoute, dragon, il y a des trompettes comme ça partout. Et puis, on a bien sûr les percussions très rythmées, très double croche, très régulières.
Après, le thème est rejoué, mais l'harmonie change, on a un accompagnement complètement différent. En plus de ça, je l'ai synchronisé avec le moment où Hulk, il retombe, il fait un saut, il retombe, il écrase des ennemis. Je trouve ça drôle. L'harmonie change aussi. Là. Ça débouche sur un moment un peu chaotique. Vous retrouvez le genre de moment dans Test Drive de Dragon 1, quand Hiccup tombe de croque-mou au début. On a des chromatismes ici, voilà, donc avec des accords dissonants. J'ai le droit, hein, dans un orchestre, en général, les corps sont par 6, hein, donc c'est bon. Et sur le thème principal, si je reviens dessus, ce que je peux en dire, c'est que, bah voilà, encore une fois, j'ai essayé de reproduire ce qui fait une des marques de John Powell dans Dragon, c'est que ces thèmes musicaux sont pas formés de blocs répétés, rythmiquement répétés. C'est plutôt des trucs qui vont évoluer vers autre chose. C'est vraiment des mélodies très variées et souvent assez longues. Et ça nous permet de nous entraîner vers d'autres types de séquences. Alors bon, c'est pas très très clair, mais la première fois qu'on la joue, bah, elle se termine différemment que la deuxième fois qu'on la joue, par exemple. Voilà. Donc j'ai reproduit ça. Voilà, de nouveau, des petits appels là, staccato au bois et aux trompettes qui font un contre-champ, encore une fois typique. Là, il y en a plein. Et sur toute cette séquence, la fin, où c'est la partie un peu plus dramatique, où on a vraiment un retournement, les méchants prennent le dessus, on a une mélodie, en fait, c'est juste une longue mélodie sur plusieurs mesures qui ne se répète jamais, typique de John Powell. Cette mélodie, elle commence comme un des thèmes que j'ai écrit, mais voilà, ça continue et ça enchaîne vers complètement autre chose. Là, des accords augmentés qui teintent la musique de Mystère. C'est l'arrivée du Bifrost qui amène Thor. Et ensuite, on retrouve ce thème-là qu'on vient d'entendre. Mais majeur, éclatant. C'est quand la hache tourne et tue tout le monde. Tiens, je vais tout mettre, tiens. Vous avez noté les montées de bois et vous avez aussi eu les petites trompettes. Ah, j'aime bien. Puis ça sonne bien, ces staccato là, c'est Berlin Brass ça. Bon.